est complètement une nullité. On travaille sur des drills, des techniques qui sont passe-partout, qu'on peut faire en sortie d'enchaînement, et qui respectent le grand principe du benchhack, les frappes en rafale, dans les points vitaux ou sensibles, et en multiniveau pour saturer le cerveau d'information de l'adversaire. Là, je ne suis pas fort parce que je ne suis pas sur un set de frappe, hein, je suis sur Maxime. Mais j'entre complètement cette technique où je frappe en multiniveau dans les points sensibles et progressivement, en fait, même plus la peine de regarder parce que j'ai complètement... Ok. Et donc, j'enchaîne. Donc, un dans les parties, ok, pour qu'il se baisse. Quand il se baisse, de fait, hop, je le remonte. Je frappe dans la gorge. Ici, je cale la tête. Je peux prendre l'oreille, hein. Et je frappe en cisaille derrière, ok, avec la pointe du coude. Et bien sûr, je peux le faire des deux côtés. Hein. Quand je l'ai fait ici, derrière, ça sera la même technique. Hein. Donc ça, ceux qui ont des bobs, des mannequins chez eux, c'est l'idéal. Hein. Ok. À chaque fois, c'est des mouvements. Ok, on le retrouve. Hein. Ça se passe au niveau de mes hanches, de mon relâchement musculaire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, bam. Ok, je frappe à ce niveau-là, au niveau des parties, il se baisse de fait, j'ouvre et je frappe. Ok, 1, 3. 1, 2, 3. Donc le principe au départ, on a l'aérienne, hein, c'est qu'il est debout. Là, je le baisse, j'ouvre. Et je monte, ok. Et je frappe à ce niveau-là. Quand je suis en garde, à chaque fois, hein, j'ai une main qui frappe, l'autre qui est en protection. Et quand je frappe ici, là, je suis bien positionné pour enchaîner ma frappe, ok. Ok, il se baisse, rentre ici en tiger, et je frappe ici, d'accord. 1, 2, 3. Je descends, du coup il va un petit peu sécher, je remonte directement ici, il frappe, lourde, hein, en tailleur, et je rentre par ici. Ok, c'est pas en point fermé parce que s'il est costaud là, bah, je vais me faire mal sur son os. Là c'est beaucoup plus pénétrant. Ok, là ça serait trop parce que je pourrais me faire une hyper extension, j'aurais mal, légèrement comme ça, et je rentre ici. 1, 2, 3. La frappe qui se contracte, hein. Par contre le reste de mon corps est relâché. Hein. Je suis pas en tension en permanence, non. Ok, tu vois, c'est... Et j'apprends à me contracter à la fin et à me relâcher une fois que la frappe est passée. Après, bien sûr, sur un sac de frappe, je ferai beaucoup plus en travaillant. Mais je peux pas le faire. Enfin, voilà. Je peux pas permettre de le faire sur lui, quoi. Et bien sûr, après, je vais... Je sens la puissance du sol et je vais aller beaucoup plus, quoi. Okay. Mais là, on fait gaffe, hein. Ok. Quand je descends, quand je frappe, voilà, okay. Juste le fait de se relâcher au moment de l'impact, je me contracte, c'est ça qui va, ça sèche complètement. Et dès qu'il va se baisser, et après je relâche pour que l'onde de choc pénètre. Et une fois qu'il est là, je remonte directement et je rentre celui-là. Ok, la technique elle est là. Là l'exercice c'est le mode, c'est travailler la fluidité, c'est travailler le drill. L'intérêt de ce type de technique, quand je suis à 45 degrés, ok, c'est que je contrôle le coude. Okay, même si je ne suis pas ici, le coude n'est pas loin, je peux le contrôler. J'ai une bonne adhérence. Quoi. C'est moi qui garde le contrôle du combat. Okay. Et pareil, hein, je peux le faire des deux côtés. Hein. Ça, c'est important. Hein. Quand je suis ici, okay, quand j'ai frappé, boum, boum, hein, c'est pareil. Hein. Bah, bah, okay. Okay. Sentez-le. Donc là, je suis hors du champ de vision. Hein. Celui-là, c'est dans le champ de vision, mais comme je suis... Je pars très très proche de lui. Je vais pouvoir rentrer. Ok. Et bien sûr, derrière, l'idée c'est d'enchaîner sur l'autre technique. Ok. Principe, hein, c'est de créer complètement une fluidité. Ok. Je suis là. Et à chaque fois, je suis en de l'ondulation. Il n'y a pas de rupture dans mon mouvement. Si votre mouvement, vous le faites sur une ligne droite,
chaque fois que vous arrivez au bout, vous avez votre corps s'arrête, parce qu'il fallait aller dans l'autre sens. Si vous faites un mouvement qui est légèrement circulaire, en ovale, il n'y a pas de rupture. Du coup, vous pouvez accélérer. Okay ? Donc je ne fais pas pam pam. À chaque fois, il y aura un mouvement qui est un tout petit peu circulaire. Toutes mes frappes. D'accord ? 1, 2, 3. Donc en fonction des circonstances, hein, je vous montre le principe, on pourra faire évoluer la technique. On peut le faire comme ça. Je peux le faire en tiger. Je peux le faire en coup de coude. J'aurai du mal avec lui parce qu'il est grand. Mais le concept reste le même. Okay ? Et une fois que j'ai l'enchaînement, c'est plus la peine. Vous aurez regardé, hein, j'ai complètement intégré où est-ce qu'il était. Okay, du coup, je peux le faire. Et je frappe les yeux, les parties génitales, et je frappe à ce niveau-là. Okay, là, derrière, je pourrais enchaîner. Et donc, j'enchaîne des deux côtés. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand je prends ma dernière frappe, ici, là, je prends en haut du crâne, au niveau du cervelet. Parce que si je le prends en bas, relève-toi, voilà, là, il se relève sans aucun problème. Si je le prends ici, il est costaud, il fait 115 kg, hein, moi j'en fais 70. Hein, donc, relève-toi, il y a plus de difficultés, parce que j'ai un effet levier qui est beaucoup plus important. Relève-toi, j'en ai beaucoup plus. Okay. Donc je peux envoyer après mes coups de tête, hein, je peux envoyer des frappes, hein, je peux envoyer des coups de coude. S'il avait un blouson, je pourrais le prendre, le ramasser. Et le principe, c'est d'avoir ce contrôle-là ici, et avant d'avoir un tout petit peu à semer. Okay. C'est comme si vous avez une pomme ici, là. Faites rebondir. Donc, je suis là, bah, ça sonne. Et je rebondis un petit peu sur le côté. Okay. Je suis là, position neutre, boum, 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 boum. Ok, 1, 2. Ok, sur ça. Ok, bien sûr, je peux le faire des deux côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. Donc le premier à ce niveau-là, donc dans l'idéal, ici vous avez les yeux, okay, vous avez la pointe de l'œil, vous descendez à exactement à la verticale, et c'est là que vous avez un point qui est très douloureux. Et bon, globalement, toute la zone, vous avez des petits ganglions, ça ne sera pas agréable. Okay. Donc là, je fais gaffe parce qu'il ne faut pas le blesser, hein. Donc je frappe plus à ce niveau-là, et frapper par ici, ça fera mal. Toujours ma frappe, ok, un petit coup sec, en fait je mobilise tout mon corps, ok, derrière je prends à ce niveau là et j'envoie mon coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, la première fois je pourrais faire des variantes, hein. Ok, et si je suis par ici, boum, boum, boum. Ok, ah, pensez à bien cisailler. D'accord. Donc souvent on fait ce type de technique après, contre des crochets, on arrive à rentrer à l'intérieur, on frappe en gunting, du coup on est très proche, et derrière on fait la technique. Okay. Je suis là. Okay. Le profil fait qu'il se baisse, pour qu'il s'empale à ce niveau-là. Et derrière je peux l'enchaîner. Je fais gaffe parce que si je lui prends la tête, ça fera mal. Mais c'est le principe, d'accord ? Et toujours cette fameuse ondulation, hein, que je génère, hein, cette vague, hein, la puissance, elle vient de là. Par contre, je mets du kibé derrière, hein, c'est pas l'ondulation pour ondulation, hein, c'est que ça génère une puissance, un glissement de l'impact. J'envoie, je relâche, et l'onde pénètre. Principe fondamental en penchak, hein. Lui il est au sol, moi je reste debout, j'évite de me mettre au sol. Mais par ici je serai emmerdé, il pourra m'embarquer, etc. Donc si je peux éviter d'aller au sol, j'évite. Si j'ai pas le choix, ben, j'irai bien sûr. Donc l'intérêt de travailler ces différents drills, c'est qu'après on peut en fait les enchaîner, peu importe en fonction
de cette action. D'accord. Okay, j'enchaîne. Je fais des liens en fait. Vous avez vu que souvent, et moi, quand je frappe au niveau des parties, parfois je suis arrivé par ici, parfois je suis arrivé aussi par ici. Okay. Ça va dépendre de ses réactions, mais le fait d'avoir complètement intériorisé ces différentes rides, c'est qu'en fonction de ses réactions, derrière, eh ben, j'enchaînerai d'une manière ou d'une autre. Okay. L'intérêt, il est là. Okay. Alors là, en plus, j'ai fait uniquement le haut du corps, hein, par simplicité. Après, bien sûr, il y a le choc, on fait tout, hein. Il y a la tête, il y a les coudes, les genoux, les projections, etc. Mais du coup, voilà, c'était une sensibilisation à ça. Voilà. Donc sur ces drills, l'intérêt, on crée des automatismes. De fait, j'ai un adversaire qui était passif, c'est volontaire. C'est pour créer des ancrages. Et après, le punch-up, on s'adapte aux réactions de la personne qui est en face.